Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir que nous rejoignons sur Channel Panouan. Tant de causes. Bandi Azam, touye, hier vendredi, yon pasteur dans la zone Delma 41, pendant pasteur ça, il t'a essayé faire force à plusieurs nègres qui t'a tenté kidnapper. Nous pas jeune tout détail dans vidéo ça. Juge Gary Aurélien nan gros show. Juste ça qui t'a instruit dossier Jovenel là, eh bien CSPJ mandé pour yo tande juge ça après Pierre Espérance fait un pile révélation sur juge ça. Comme quoi juge ça il t'a prend l'argent dans mes divers moun pour capable blanchir yo dans dossier Jovenel là. Nous pral saisi tande cause yon gros difé éclaté jeudi samedi 22 janvier ya dans zone Kafou. Pour pipiti, yon moun mouri et plusieurs lot moun blessé. Yon lot fois encore, question 20 gaz nan galon an, continue à faire des victimes nan pays d'Haïti. Ret la, nou pral ban nou tout détail parce que nou rive jwenn divers citoyens nan zone si la qui explique comment bagay yo te passé. Mais avant, ban pran ti tan pou m remercier nou tout qui toujours gade vidéo nou yo. Merci pour ça. Fidèle auditeur, tendez causer yo. Si c'est la première fois ou tombez sur channel ça, pas négliger abonner. Donc abonner une façon pour capable aider nous grandir famille tendez causer. Mes amis, on nous commencer avec formation yo. Hier vendredi 21 janvier 2022 ya, dans zone Delma 41, pasteur yon l'église dans zone Delma mouri. Eh bien, nos pasteurs ça rele Mathieu Chérimé. Selon information qui vient de nous, pasteur ça li t'a essayé chapper en bas un kidnapping. Donc plusieurs nèg té azam t'a essayé kidnapper pasteur ça. Et bien pasteur ça lui-même qui t'a fait force, et bien malheureusement nèg yo mes amis, yo touye. Selon ça quelques moun nan zone nan di, c'est que yo t'a bay pasteur a plusieurs cartouches. Plusieurs cartouches mes amis jusqu'à ce qu'ils retirent la vie pasteur ça. Ça passait hier dans zone midi yo, zone Delma 41. Une autre fois encore, une autre victime, un pasteur qui relait Mathieu Chérimé. Donc les victimes de question kidnapping. L'autre point encore c'est concernant juge Gary Aurélien. Je nous compte ça, juge ça c'est lui même qui t'a instruit dossier Jovenel Moïse là. Hier, c'était officiel. De désister de dossier ça. Il y a plusieurs raisons nous t'es capable dire qui fait ça. Premièrement, c'est que délai la justice te bali pour lui remettre un rapport concernant dossier là, il pas arrivé faire ça. Et deuxième raison, c'est parce que Pierre Espérance, un responsable RNDDH accusé monsieur de plusieurs bagailles. Pierre Espérance accusé juste ça comme quoi il t'apprend l'argent dans divers moun pour li capable blanchir yo dans dossier Jovenel Moïse là. Donc parmi moun sa yo, li parle de Léon Charles, ancien directeur la police là, il t'a prend plus de 2 millions de goud nan men une façon pour li capable blanchir. Pierre Espérance tout parler de 4 policiers que juge la lui-même li té lagué. Selon sa Pierre Espérance fait connait, 4 policiers sa yo, yo mette l'argent ensemble et puis yo acheté justice là, yo acheté liberté yo. Donc ça c'est déclaration Pierre Espérance de faire li accusé monsieur fort. Eh bien après que juste lui-même il finit désister des dossiers ça de dossier Jovenel Moïse là, conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ mandé inspection judiciaire pour lui auditionner juste ça. Une façon pour lui capable répondre question que RNDDH ou bien Pierre Espérance lui-même lui fait souligner. Donc ça c'est information qui vient de nous côté que CSPJ mandé pour yo tande juge ça une façon pour yo connait si c'est vrai li te prend l'argent une façon pour te capable blanchir plusieurs moun dans dossier Jovenel Moïse là. En tout cas mes amis, son dossier que nous suivre à la lettre quelle que soit information qui gagne rete là la venir sous channel ça tande causer. Et enfin l'autre information que nous gagne pour nous jeudi samedi 22 janvier 2022, il y a un gros difé éclaté dans la zone Kafou. Zone côté difé a éclaté, donc c'est une zone qui relève Tor 10. Donc c'est dans la zone ça.
Selon information qui vient de nous, di fait a éclaté à cause de divers dépôts gasoline. Ça veut dire moun ka fait si business gasoline yo, eh bien di fait éclaté parce que gon garage pendant qu'il y a soudé éclair soudi a ta al prend nan doum yo, eh bien ça qui causé yon gros explosion. Comme résultat, yon moun mouri et divers lot blessé. On nous écoute quelques citoyens qui t'a expliqué nous comment bagaille là lui-même li t'est passé. On nous suivre mes amis. Machine à couler derrière. Machine à couler là. Ça donne un coup. On est bien ça. Je vais moi au monde. Bon, semble que c'est alors bon garage dans un nom, bah on est dans sous du quelques fuites et fêtes et puis gaz à prendre une côté monsieur qu'on a vendu gaz à. Et on prend une gasoline bah mélange à flamme depuis flamme bah une gasoline on, et puis je vais varier. C'est pas un dépôt gaz seulement. J'ai plusieurs petits dépôts gaz là. J'ai même trois petits dépôts gaz là. En fait, tous les trois petits dépôts gaz là, on va dire. Bon, il est bruit que quelqu'un savait qu'on pied qui mourit. Parmi trois qui avaient essayé d'éteindre du béant. Quelqu'un savait qu'on pied. Les fractures dans la tête, qui mourit et on va à l'hôpital avec. Mais il y a deux autres qui brûlent les graves. Non, moi-même, c'est mon chanteur et Michel Blood. Monsieur les Poloflo, monsieur Boulet, parce que c'est après monsieur était en direct. Après-midi en haut, 3 mètres après-midi, l'explosion en fait, volé dans le bras. C'est les amis que je connais, avec les deux autres qui volent. Nous voulons que les deux garages dedans, parce qu'il n'y a pas que les machines qui volent. Il y a un peu de machines qui volent. Il y a même une dizaine de machines qui volent, net. Pas de cas qui volent. Non. On seul monde qui a comme violon, on seul monde qui a team qui mourit, c'est un sapeur pompier. Qui mourit parce qu'il frappe l'explosion en fait là. Il y a les flammes envoyées monsieur par bac et puis frappé dans l'autre conteneur qui était après. Peut-être que monsieur est ouvert. Il mourit. Ok. Non, pas de ça. Merci. Non.